Mon côté, 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 mon
Apocalypse chapitre 2, le verset 4 et verset 5. J'ai lu la version Martin. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as abandonné ta première charité. C'est pourquoi, souviens-toi d'où tu as chuté. Et t'en réponds. Et fais les premières œuvres. Autrement, je viendrai à toi bientôt. Et j'ôterai ton chandelier en son lieu. Si tu ne te repens pas. Parole du Seigneur. Amen. 2 Pierre chapitre 2. 2 Pierre, verset 20. Au verset 22. J'ai lu la version que tu as, la Bible. En effet, si après s'être retiré, de suivre du monde par la connaissance du Seigneur et du Sauveur Jésus-Christ, s'ils s'engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce qui dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Et la truie l'avait se vautré dans le bourbier. Ngoulou. Oye ba sokolaki. Azongi kati na poto poto. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Tobe telinkolo maboko. Ce soir, le thème que je vais développer dit ceci. La pokwalelo mama likam na ngina loba yango ezali ko loba boye. Souviens-toi d'où tu es tombé. Et te yo kanisa na bisiko okoyeli. Nous sommes en train de parler sur la tombée des héros. Bien aimé dans le Seigneur, nous avons écouté les hommes de Dieu. Et aujourd'hui, je vais parler. Demain vendredi, ça sera l'homme de Dieu qui vient de Lubumbashi. Parce que pendant que je parle ici, nos équipes sont déjà à l'aéroport pour le récupérer. Alléluia. Amen. Et il sera également avec nous le dimanche. Alléluia. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. La Bible dit clairement, bien-aimé dans le Seigneur. Ça, c'est l'apôtre Jean. Qu'on avait ôté les yeux physiques, il s'est retrouvé sur l'île de Patmos. Il s'est retrouvé isolé de tout le monde à cause du nom de Jésus. À cause du nom de Jésus, il a été maltraité.
Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, peuple de Dieu, la parole de Dieu déclare la souffrance de siècle présent n'est pas comparable à la gloire à venir. Bien-aimé dans le Seigneur, on peut détruire le corps, mais laisse que ton âme soit préservée par le Seigneur. J'ai besoin d'un amen des âmes. Amen. Amen. Donne-moi un amen glorieux puissant. Amen. Alléluia. Amen. Souviens-toi donc. Yo kanisa wana. Où tu es tombé? Na bisiko kweli. Tu es tombé à quel endroit? Okweli na bisika nini? Le Seigneur va révéler à son serviteur quelque chose sur l'église d'Éphèse. Zamba rotalisa na mosali na ye eloko moko likolo église d'Éphèse. Il dit écrit à l'ange de l'église de l'Éphèse. Alors mais comment na ange lui église d'Éphèse? Pour qu'il puisse dire. C'est pourquoi ce soir je parle mandaté par le Seigneur. Pour dire à chacun, chacune parmi nous de se souvenir, de se rappeler où est-ce que tu es tombé. Où est-ce que tu es tombé? Tu as chuté à quel endroit? Alléluia. Amen. Tu as été déchu à quel endroit? La Bible dit, le Seigneur a loué les qualités de cette église. Oui, quand tu fais quelque chose de bien, le Seigneur t'apprécie. Quand tu fais quelque chose d'excellent, le Seigneur te félicite. Il est le Dieu juste. Il est le Dieu qui marche dans l'équité. Alléluia, Église. Amen. Peuple de Dieu, la Bible dit, Dieu n'est pas comme un fils de l'homme. Il ne peut pas oublier tout ce que nous avons fait pour l'honneur, pour son honneur et pour les autres. Tout ce que tu peux faire de bien pour ton frère, cela est enregistré dans le livre de souvenirs. Laisse-moi te dire, chaque bonne œuvre que tu fais, cela est enregistré quelque part. Au moment de détresse, ce livre de souvenirs s'ouvrira. Oh, ce soir, je dis à quelqu'un que mon Dieu ouvre pour toi les annales de souvenirs. Que Dieu se rappelle. Que Dieu se souvienne de tout ce que tu as fait pour l'œuvre de Dieu. Tout ce que tu as fait pour les orphelins. Pour tout ce que tu as fait pour les autres. Que le Dieu Tout-Puissant se souvient de cela. Alléluia. Amen. La parole de Dieu dit, après la mort d'une personne vient le jugement. Quand quelqu'un va mourir, la Bible dit ne remportera rien. Alléluia. Amen. Ni l'argent, tu n'iras pas avec l'argent. Ni les parcelles, tu n'iras pas avec des parcelles. Alléluia. Amen. Tu n'iras pas avec ta femme. Ma soeur, je t'ai dit que tu n'iras pas avec tes enfants. Tu n'iras pas avec ton mari. Souviens-toi d'où tu es tombé. La Bible déclare que tu dois te repentir. Si tu ne te répands pas, le Seigneur dit qu'il vient bientôt. Il va ôter les chandeliers à sa place. Il va ôter ce qui fait ta force à sa place. Peuple du Seigneur, la Bible dit, le jour où on va te mettre dans les sépulcres, il n'y a que tes œuvres. Il n'y a que les actes que tu as posés sur cette terre. En bien ou en mal, ce sont tes œuvres qui seront dans ton sac
pour t'amener devant le trône de Dieu. Misala na yo nego kota na saki na yo pe memyo liboso angwenda nzambe. Fais du bien. Sala bolamu. Fais quelque chose de bien dans la vie. Sale lo romoko malamu na kati na bomo. Bien-aimé le Seigneur. Balinga mikati na nkolo. Où est-ce que tu es tombé? Bipa inini okweli. Où est-ce que tu es tombé? Bipa inini okweli. La Bible. Biblia. C'est un livre profondément inspiré. La parole de Dieu est inspirée de Dieu. Lorsqu'elle nous dit de nous souvenir, c'est ça la volonté de Dieu pour toi ce soir. Chacun de nous doit prendre un temps de réflexion où tu dois jauger ta vie, où tu dois contrôler ta vie pour observer si tu es encore dans le véritable, si tu es encore dans le Seigneur. Tu dois regarder à ta vie. Ma soeur, mon frère, les choses sont en train de s'aggraver sur la terre. Les choses qui ont été dites dans la prophétie, dans la prophétie de Daniel, sont en train de s'accomplir. Il y a des prix de guerre partout maintenant. Hier, j'ai regardé à la télévision. J'ai vu comment il y a eu le tremblement de terre au Japon. Ce sont les choses qui ont été dites dans la parole du Seigneur. Lorsque vous verrez ces choses, sachez que le Fils de l'homme est prêt de revenir. Souviens-toi ce soir d'où tu es tombé. Il dit, ce que je te reproche, il y a une chose que je suis contre toi. Tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton premier amour. Tu as abandonné ton attachement à Dieu. Tu as abandonné la fidélité envers Dieu. Tu as abandonné la crainte de l'Éternel. Tu as abandonné la lecture de la parole de Dieu. Tu as abandonné la méditation de la parole. Tu as abandonné ton église. Ma soeur, mon frère, tu as abandonné la foi. Tu as abandonné la prière la nuit. Tu as abandonné la prière le matin. Ma soeur, mon frère, tu es resté une personne qui est emportée par toute espèce de vent de doctrine. Tu es devenu un honniste. Tu es devenu un wiwiste. Tu n'as pas encore le discernement des choses. Ma soeur, mon frère, où est-ce que tu es tombé? Où est-ce que tu es tombé? Es-tu encore dans le véritable? Où tu es déjà sorti de Christ? Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Donne-moi un amen des amen. Peuple de Dieu, lorsque Jésus marchait, la Bible dit que Jésus était suivi par les disciples. Jésus était aussi suivi par la foule. Ce soir, laisse-moi te poser une petite question. Ma question est celle-ci. Es-tu disciple de Jésus ou tu es quelqu'un de la masse? Es-tu quelqu'un qui est disciple de Jésus? Où tu as déjà changé de camp? Tu avais commencé à être disciple de Jésus. Maintenant tu es resté la personne de mouvement spirituel. Alléluia. Amen. Rien de Dieu n'est en toi. Rien de spirituel n'est en toi. Tu es comparable à un vase vide. Alléluia, Église. Alléluia, Église. Faites bien attention. Lorsque un vase est vide, c'est quelque chose qui est dangereux. Parce que le vase vide peut être fracassé
brisé à tout moment. Bago fina yango, bago koi sango obuka ngo nantiango nonso. Alléluia, Église. Amen. Souviens-toi ce soir. Yo kanisa malamu na poko alelo. D'où tu es tombé. Bipa yo ukweyeli. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Je voulais dire à quelqu'un ce soir, si tu obéis à Dieu, à la voix de Dieu ce soir, laisse-moi te dire, notre Dieu, c'est un Dieu qui nous donne une grâce surabondante. Je voulais te dire qu'il y a une seconde chance devant toi. Il dit que, souviens-toi, lorsque tu dois te souvenir, sur quel point tu es tombé? Est-ce que tu es tombé dans l'escroquerie? Est-ce que tu es tombé dans l'adultère? Est-ce que tu es tombé dans le mensonge? Est-ce que tu es tombé dans l'hypocrisie? Est-ce que tu es tombé dans la mort? Tu es en train d'avorter comme tu le veux. Bien-aimé dans le Seigneur. Il dit, parce que tu as abandonné ton premier amour, je te reproche. Souviens-toi d'où tu es tombé. Je ne sais pas quel est le point de ta chute. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les parents de Jésus étaient allés à la fête de Pâques à Jérusalem. Après la Pâque, Jésus était encore enfant. Ses parents, dans cette ambiance-là, ils ont oublié Jésus dans la maison du Seigneur. Et ils sont partis. C'est en chemin qu'ils se rendront compte qu'ils sont seuls. Jésus n'était pas avec eux. Ma soeur, même toi, tu es seul maintenant. Jésus n'est pas avec toi. Tu ne le sens pas. Il ne te sent pas. Tu es avec qui? Les parents de Jésus, dans cette ambiance de la fête, en train de retourner à la maison, se sont rendus compte qu'il y a quelque chose qui nous manque. Alléluia. Amen. La présence de Dieu est très précieuse dans ta vie plus que toute autre chose. La présence de Jésus vaut plus que toute autre chose. Je vais te donner cette bonne nouvelle. Jésus est plus que ton mariage. Alléluia. Amen. Le mariage peut finir, mais Jésus, il est éternel. Le travail peut finir. C'est parce qu'on t'a chassé du travail, mais parce que tu as eu 65 ans. Selon la loi du Congo, tu dois aller en pension. Mais malgré cet âge-là, si Jésus est avec toi, tu seras le bienheureux. Ma soeur, mon frère, souviens-toi d'où tu es tombé. D'où tu es tombé. Reconnais ce que tu as fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous savez pourquoi Dieu disait que David était l'homme selon son cœur? Parce que David avait un cœur qui était prêt à accepter sa faute. Alléluia. Amen. David, il acceptait. Quand il a commis une faute, il revient rapidement devant Dieu. Mais toi, quand tu commets une faute, tu es en train de cacher sa faute. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Donne-moi un amen que j'avance. Amen.
Quand tu caches ta faute, tu rentres dans l'ancienne alliance. Parce que dans l'ancienne alliance, le sang des animaux ouvrait le péché. Mais dans la nouvelle alliance, le sang de Jésus efface le péché de celui qui reconnaît sa faute et qui va confesser devant Jésus et qui prend la décision de changer. Alléluia. Amen. Où est-ce que tu es tombé? Alléluia, Église. Amen. Alléluia, Église. Amen. Dieu ne veut pas la mort de quelqu'un. Nzamba lingi liwa mututé. Alléluia. Amen. Pendant que je lisais ça, j'ai compris la grandeur de l'amour de Dieu. Malgré que tu peux faire des erreurs, le cœur de Dieu, ce n'est pas un cœur qui te condamne, mais le cœur de Dieu est que le pécheur soit sauvé. Le cœur de Dieu veut que la mauvaise personne puisse changer. Dieu ne veut pas même la mort d'un pécheur. Alléluia. Il n'acceptera pas la mort de quelqu'un parmi nous. Il veut que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Est-ce que je dis à quelqu'un quelque chose? Amen. Alléluia, Église. Amen. La Bible dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. 1 Timothée chapitre 2 verset 4. Timothée, que tous les hommes, que toutes les femmes, tous les frères et sœurs, Dieu veut que personne ne puisse périr. Souviens-toi d'où tu es tombé. Réfléchis bien. Si Jésus vient aujourd'hui, est-ce que tu seras dans le cortège? Si Jésus revient bientôt, s'il vient aujourd'hui, est-ce que tu seras dans la délégation qui va aller dans l'enlèvement? Alléluia. Amen. Alléluia. L'homme de Galilée. La Bible dit, de la même manière qu'il voulait voler en train de partir, c'est de la même manière qu'il reviendra. Jésus va revenir. Il est allé nous préparer une place afin que là où il est, nous y soyons aussi. Souviens-toi d'où tu es tombé. Il dit, je suis allé préparer pour vous une place. Il y a une place qui est réservée pour toi au trône de Dieu. Il dit, je suis allé préparer. Je reviendrai pour te prendre. Est-ce que tu peux te souvenir? Tu peux te rappeler? Quelles sont les choses qui te séparent avec Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour être sauvé, selon l'apôtre Paul, dans sa lettre qu'il écrit à Timothée, il montre clairement que pour être sauvé, il faut parvenir à la connaissance de la vérité. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que vous savez, pendant que j'ai étudié la Bible, je me suis trouvé devant deux textes dans la Bible. Le texte qui dit, crois au Seigneur, tu seras sauvé. Donc quand tu donnes ta vie à Jésus, tu dis, Seigneur, je te reçois dans mon cœur, tu es sauvé. Mais ici l'apôtre Paul dit, pour être sauvé, il ne faut pas seulement dire oui, mais il faut la connaissance. Alléluia. Amen. Mon peuple meurt pas parce qu'il a cru au Seigneur. Mon peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance. Tu ne sais pas progresser
Ce n'est pas l'affaire des démons. Ce n'est pas l'affaire du diable. Mais c'est ton problème. Parce que tu n'as pas aimé la connaissance. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. La connaissance de la vérité, c'est quoi? Cette vérité-là, c'est Jésus-Christ. Il dit, je suis le chemin. Je suis la vérité. Et la vie. Tu ne peux pas arriver à la vie si tu n'as pas encore reçu la connaissance de la vérité. Alléluia. Amen. La vérité, c'est la parole de Dieu. Cette parole qui te dit que toi tu ne mourras pas. Mais toi, tu rencontreras les œuvres de l'Éternel. Je dois seulement croire que c'est ça la vérité. Même si je suis né dans une famille remplie de sorciers et de magiciens. Même si j'ai été sacrifié à mon bas âge. Mais parce que j'ai la connaissance de la vérité. Je ne tremblerai pas. Alléluia. Amen. Je resterai debout. Parce que la connaissance amènera la délivrance. Vous connaîtrez la vérité. Alléluia. Amen. Elle vous affranchira. Et vous serez réellement. Alléluia. Amen. Cela veut dire il y a deux formes de délivrance. Il y a la délivrance qui vient par la prière, mais qui est une délivrance momentané. Parce que tu peux chasser les démons. Et Jésus dit, lorsque tu chasses les démons, il obéit, il part. Après quelques temps, le démon va dire, je vais retourner dans ma résidence. J'ai été chassé. Et je vais retourner quand même. Lorsqu'il arrive, il trouve cette maison-là. Balayé, propre, orné, il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas la vérité là-bas. Il n'y a pas la connaissance. Les démons vont partir. Il va convoquer. Il va appeler les esprits méchants que lui. Sept. Sambo. Et lui, ça fera huit. Ils viendront faire leur domicile en toi. Ça, c'est la délivrance partielle qui vient par la prière. L'apôtre Jean dit, vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez la parole de la vérité. Vous connaîtrez Jésus. Il vous affranchira. Il vous délivrera. Vous serez réellement libre. La différence se trouve là-bas. Réellement. Solo. Alléluia. Amen. Ce n'est pas quelque chose qui est approximative. À peu près, non. La totalité de la délivrance, c'est dans la connaissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je t'ai conseillé. Il faut que tu écrives les prédications. Il faut que tu aies la Bible. Que tu puisses lire la Bible. Que tu puisses avoir le temps de la méditation de la Bible. Soigne ton temps d'intimité avec Dieu. Arrange ton temps de la relation avec le ciel. Alléluia, Église. Amen. Alléluia, Église. Amen. Lorsque moi je prie, quand je fais les prières personnelles, je quitte la dimension de la prière pour atteindre la dimension du culte. Prière, c'est bien.
Mais moi j'arrive à la dimension du culte. Mais toi tu restes dans la prière. Quand il est 3 heures, tu te lèves de ton sommeil, tu vas à genoux. Seigneur, je te remercie. Seigneur, je te bénis. Tu appelles Jésus à combattre pour toi. Tu bénis ta journée. Ça c'est la prière. Mais nous allons dans le culte. Nous allons tourner tout autour de lui. Je commence par la méditation. Alléluia. Amen. Je commence à réfléchir sur un verset. Alléluia, Église. Amen. Je lis la Bible. Natangi Biblia. Je médite. Na kanisi na bozindo. Et après, je me plonge dans la prière. Amen. 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 Est-ce que vous pouvez acclamer? Peuple du Seigneur, écoute ce que la Bible nous dit. Après s'être retiré de fuir du monde, il y a le moment où tu as vu que le monde n'était pas bon pour toi. Tu étais dans l'ivresse, tu étais tout le temps dans les bars, tu étais tout le temps dans les fêtes. Une chose qui est bizarre aujourd'hui. Je n'aime pas. Pourquoi? Parce que j'ai réalisé que les frères et les sœurs ne sont pas les enfants de Dieu. Alléluia. Ce sont les ramassis. Quelqu'un qui a cru au Seigneur et qui accepte que dans sa fête du mariage, il donne aux gens de l'énergie. Il donne aux gens de vitalons. Il donne aux gens de whisky. Quand tu regardes comment ces gens sont habillés, il y a des Christ sur leur corps. Qu'est-ce que la Bible dit? Le corps ici est pour le Seigneur. Et le Seigneur est pour le corps. Dieu n'est pas seulement le Dieu de ton cœur. Dieu n'est pas seulement le Dieu de ton âme. Il est aussi le Dieu de ton corps. Des tatouages partout. Tu as fait de ton corps une marchandise pour avoir de l'argent. Amen, amen. Alléluia, Église. Alléluia, Église. Peuple de Dieu, après avoir d'autres fois abandonné le suivre du monde. Les souvenirs du monde, les choses du monde. Qu'est-ce qui t'attire, ma soeur? Qu'est-ce qui t'attire, ma soeur? Alléluia. 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 Il faut que tu t'habilles très mal pour que tu dises que tu es très mal. Tu as des vêtements, des robes du long. Le robe nylon doit Dieu t'a donné une bonne masse. C'est une richesse pour toi. Il y a des femmes qui sont des anorexiques. Pas une quoi même. Amen, amen. Mais toi Dieu t'a fait comme tu as une bonne taille. Mais il y a des choses que tu n'es sur ce corps. Tu portes ce vêtement là. Et dans ton sous-vêtement, tes dessins, c'est comme s'il y a des squelettes que les gens sont en train de voir. Sujet de scandale.
$10, c'est quoi ça? Alléluia. Amen. Souviens-toi où est-ce que tu es tombé. Et la Bible dit, après avoir connu la vérité, et que ces gens ont fait marche à l'arrière pour retourner aux choses qu'ils avaient abandonnées, tu es retourné aux bêtises que tu avais abandonnées. Tu es retourné au mal que tu avais laissé. Alléluia. Tu es devenu l'ami du péché. Souviens-toi d'où tu es tombé. Peuple de Dieu. La Bible dit, la situation de cette personne-là sera plus pire. Ta situation sera plus grave. C'est seulement que tu n'aies pas connu Jésus. Après avoir connu Jésus. Et tu retournes dans le mal. Tu vivras la pire situation de ta vie. Beaucoup de gens souffrent, ce n'est pas les démons. Plusieurs personnes souffrent. Parce qu'ils ont abandonné la parole de Dieu. Arrêtez d'incriminer le diable et le démon. Laisse à désirer. Alléluia. La Bible dit quoi? On compare la personne ici comme un chien qui a vomi et qui est retourné aux choses qu'il avait vomi. Alléluia. Alléluia. Quand quelqu'un mange, quand tu manges dans ta bouche là, tu sens un bon goût sur ta langue. Quand la nourriture descend, alléluia. Avant que la nourriture entre dans l'estomac, il y a ce qu'on appelle le pancréas. Le pancréas va libérer une substance amère pour l'injecter dans la nourriture que tu as mangée là. C'est après que cette nourriture va descendre dans ton estomac. Alors quand quelqu'un vomit, tu as toujours tendance de sentir que le combo est bien et comme le col n'engaille. Ça devient comme aigre. C'est parce qu'il y a une substance qui a été inoculée. Donc personne ne peut accepter encore de prendre ce qu'il avait vomi pour le manger. Les gens qui peuvent faire ça, ce ne sont que les chiens. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est pourquoi Jésus a dit, les pains que j'ai, les choses que moi j'ai, c'est pour donner aux enfants. Ce ne sont pas les choses pour donner aux chiens. Le royaume de Dieu n'appartient pas aux chiens. Les choses de Dieu n'appartiennent pas aux chiens. Qui est le chien pour Dieu? C'est la personne qui avait déjà goûté à la grâce. Son royaume. Dieu ne bénit que les gens qui sont dans son royaume. Je dis à quelqu'un ce soir, Dieu ne bénit pas les gens qui sont à l'église.
Il y a un prince de l'Angleterre. Qui a abandonné son rang de prince en Angleterre. Vous connaissez ce que la reine Elisabeth a dit. Qu'il puisse restituer tout ce qu'il avait reçu de l'Angleterre. Parce qu'il avait, il a accepté d'abandonner lui-même. Qu'il ne soit pas encore considéré comme un prince en Angleterre. Parce que tu as dit ça. Restitue tout ce que tu t'avais donné comme les avantages des princes. Pendant qu'il était en Angleterre, même s'il ne travaille pas, il avait des salaires qui étaient dirigés vers ses comptes. Et quand il a abandonné, il est maintenant là-bas au Canada. Il est en train de bosser librement comme tous les Canadiens. Peuple de Dieu, souviens-toi d'où tu es tombé. Tu es retourné au vomissement. Alléluia. Alléluia, Église. Donne-moi une amen des amen. J'ai lisé la parole de Dieu. J'ai trouvé ceci. Le Seigneur est en train de parler dans le livre d'Ésaïe. Chapitre 28. Je peux vous dire qu'on va lire ensemble. Le verset 7 et le verset 8. Mais eux aussi, ils chassaient dans le vin. Et les poissons pointent leur donne de vertige. Les sacrificateurs et les prophètes chassaient dans les poissons fortes. Les sacrificateurs et les prophètes, eux aussi sont dans les vertiges. Parce qu'ils ont goûté au vin du monde. Ils ont goûté au vin des hommes de la chair. Ils ont des vertiges à cause de poissons fortes. Toutes les tables sont pleines de vomissements d'ordures. Il n'y a plus de place. Le Seigneur dit qu'il n'y a pas de place sur la table. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoute ce que David dit. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu dresseras une table pour moi en face de. Tu dresseras une table pour moi en face de. Mais regarde, cette table est remplie de vomissements. Cette table est remplie de sondures. Pourquoi? Parce que vous avez goûté au vin du monde. Ma soeur, mon frère, retourne au vin de l'esprit. La Bible dit. Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu et le vin de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit le vin de Dieu s'est enivré dans le ciel. Cela veut dire le Saint-Esprit de Dieu est en ébullition. Il viendra avec son épée. L'épée de puissance et de gloire. Pour trancher ton problème. Si tu restes enfant de Dieu. Les peines ne sont pas des choses à donner aux chiens, mais sont des choses à donner aux enfants. En méditant la Bible, j'ai compris une chose. Alléluia. Amen. Lorsque quelqu'un mange, il y a deux choses qui peuvent venir dans sa vie. La première chose, c'est le vomissement qui peut venir. Amen. Parce que la Bible dit, lorsque tu goûtes au miel, amen. Ne mange pas à l'excès. Sinon tu vas vomir.
Amen, amen. Alors la deuxième chose, quand quelqu'un mange, il y a ce qu'on appelle la rumination. La rumination. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Quand tu lis Lévitique chapitre 11, le verset 1 au verset 3, Dieu dit, il donne une ordonnance pour la maison d'Israël sur la catégorie des animaux que Israël devait manger. Et si vous voulez manger, mangez les ruminants. Alléluia. Mangez les ruminants. C'est pour dire quoi? Lorsque les ruminants mangent, ils mangent en cascade. Et après un temps, ils renvoient la nourriture dans la bouche pour que la nourriture soit bien mâchée. Alléluia. Quand on te donne la parole, un bon enfant de Dieu, dès qu'il arrive chez lui à la maison, comme aujourd'hui, l'ami, quand tu veux prier, un enfant de Dieu, il reprend la parole qu'il avait reçue le soir. Il ouvre sa Bible, il ouvre son carnet de notes, il commence à lire, à se rappeler, à se souvenir de ta prédication, en marchant, il est en train de ruminer, pour que cette nourriture qu'il a reçue ait de l'impact sur sa santé. Tu ne grandis pas spirituellement parce que tu n'es pas un ruminant. Combien de fois je ramasse les billes à l'église? Quelqu'un qui vient à l'église avec la Bible, quand le Bible termine, il oublie sa Bible sur la chaise. Et quand il va de demain, il ne sait pas même où est-ce qu'il a oublié sa vie. Il tout le temps ici pour se réunir. Non, chaque fois que ma casse, il a voté le bon moment à 14 ans. On pagare la yam à l'église. Amen, amen. Est-ce qu'on peut dire amen, bien? Amen. Acclamons le Seigneur. Dieu a besoin des chrétiens ruminants qui doivent être comme les disciples de Béret. Les chrétiens de Béret, malgré l'enseignement qu'est donné l'apôtre Paul, lorsqu'il retournait à la maison, ils allaient sonder les Écritures. Ils sondent les Écritures. Pourquoi? Est-ce que exactement Paul a dit là, c'est la vérité qui est dans la Bible. Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Quelqu'un m'a dit, tu m'as dit ici là, le pasteur, mais tu m'as pas dit pasteur. Pour le mystère soir. Pour le mystère, je m'habite même à l'église. Avec une autre pasteur. La tenue est bonne année. Dans l'émission, la vie. Il y a la vie, ma camouté. Ma vie, ma camouté. Ma camouté, 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 ma Yes, on aurait dit que l'escalade est inévitable à l'église. Donc moi j'ai la connaissance de la Bible. Je n'ai pas la connaissance des scandales. Je sais ce que Jésus a dit. Il dit que le scandale arrivera. C'est-à-dire que l'église n'a pas encore vu les choses. Il y a des choses plus que celles que tu as vues là qui arriveront à l'église. Je te préviens déjà.
Déchaîné sur la vie de cette personne-là. Amen, amen.
Troisième chose, la personne deviendra esclave du diable. Quand tu tombes, tu deviens esclave du diable. Quand tu tombes, tu auras la connaissance du bien toujours. Mais tu deviendras incapable de pratiquer le bien. Amen, amen. Amen, amen. C'est pourquoi l'apôtre dit, je connais le bien qu'il faut faire. Mais je me retrouve toujours en train de faire le mal. C'est qu'il connaît le bien. Mais le bien qu'il connaît, la chute, la tombée, le rend incapable de pratiquer le bien. Quand on tombe, la connaissance que tu as, la connaissance du mal que tu connais, j'ai parlé premièrement sur la connaissance du bien que tu n'obéis pas. Et deuxièmement, tu connais que ça c'est mal, mais tu es incapable de t'en tirer. Il y a des gens qui connaissent que non, ça c'est mauvais. Mais pour sortir de ce qui est mal, c'est difficile. Il connaît aussi le bien, mais il ne peut pas faire le bien parce qu'il a chuté. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Laisse-moi te dire ce soir, si tu as chuté, Dieu t'attend dans les bâtiments. Il dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Et répands-toi. Si tu refuses, sauve-moi. Et te répandis. Je viendrai. Et j'enlèverai le chandelier. J'enlèverai le bonheur. J'enlèverai la grâce. J'enlèverai la bénédiction. Ma soeur, mon frère, que cette parole te fasse revenir sur le chemin. Et le Seigneur vous bénisse. Amen.